ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un nouveau petit test make-up aujourd'hui. J'avais envie de faire juste un petit crash test d'une nouvelle palette que je viens de recevoir, que j'avais très envie de tester, mais voilà, hein, je n'ai aucun fait aucun swatch ou quoi que ce soit, donc ça va être vraiment la totale découverte avec vous. Il s'agit de la nouvelle palette de Dior Backstage. Qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, je dois dire, en ce moment. Je la vois un petit peu passer par-ci, par-là, mais sans plus. Alors, peut-être qu'elle attire pas tout le monde. C'est une palette... Alors, moi, je la trouve quelque part un petit peu originale. Mais on reste, effectivement, dans des teintes quand même assez nude. Donc, je vous la présente de ce que je sais de cette petite palette. Donc, on va l'ouvrir déjà. Donc, c'est une palette que j'ai eue neuve sur Vinted, parce que ça m'a embêté de l'acheter sur Sephora. Elle est... Les palettes Dior Backstage sont quand même assez chères. Donc, je la trouve vraiment de toute beauté. Je trouve qu'il y a un panel de nude très intéressant, dans le sens où on a du gris, du doré, du marron, du noir. Et c'est assez rare dans une palette, je trouve. Moi, j'aime bien toujours avoir un petit gris de temps en temps, et j'ai beaucoup de mal à en trouver dans les palettes. Donc, alors, elle se présente, celle-ci, avec de quoi à peu près tout faire au niveau du make-up. C'est-à-dire que nous avons par ici un primer pour les yeux que je vais tester avec vous. Je ne suis pas très fan de ce type de primer d'habitude, mais bon, tant qu'à faire, on va l'utiliser. Nous avons ensuite un highlighter qui est celui-ci. Voilà. Shimmer Platinum, c'est celui-là. Le Top Coat Gold, qui est à mon avis très pailleté et peut-être à appliquer au doigt. Je vais voir. Je ne sais pas si je vais l'utiliser d'ailleurs. On a un Shimmer First, Shimmer Bronze, qui sont les deux marrons, donc qui m'ont l'air plutôt satinés. On a ensuite un Shadow Two Liner Gel. Donc ça, c'est le petit produit que je ne sais pas trop... Je me demande si ce n'est pas le produit qu'il faut venir utiliser pour faire du liner avec des fards. Je ne sais pas si vous me suivez bien. C'est-à-dire que c'est un produit crème qui pourrait rendre le fard à paupières et faire un trait de liner avec. À mon avis, c'est un truc comme ça. Et ensuite, nous avons des fards, donc un shimmer taupe et le fard noir qui est ici. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. On va commencer par poser le primer, hein, tout simplement. Donc, j'ai déjà fait mon teint aujourd'hui et j'ai fait un reverse foundation. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Voilà, donc en utilisant, comme d'habitude, des produits crème et tout ça. Et ben, j'aime toujours autant. Je trouve que ça donne un joli teint toujours plus lumineux que mat. Mais j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Donc, concernant le primer, je vais tout d'abord venir l'utiliser au doigt. Donc, ça fait une espèce... C'est bizarre, hein. J'aime pas du tout ce genre de produit. On sent rien sous le doigt. Ça fait une espèce de crème. Ah si. On le sent pas sur le doigt, mais quand on vient l'appliquer, effectivement, on voit bien que ça matifie quand même la paupière. Voilà. Alors moi qui aime bien faire mon ras de sourcil avec la base Pélouise, là clairement je vais pas pouvoir... Je vais m'en rapprocher le plus possible, mais au doigt, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un primer au pinceau, je pense pas que ce soit possible. Mais bon, au doigt, ça se passe très bien. Effectivement, j'ai bien matifié la paupière. Donc, pour essayer d'utiliser le plus possible de fard de la palette, pardon, je vais essayer d'utiliser l'highlighter, tout simplement, en haut de ma paupière, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais pas mettre de poudre mate, déjà parce qu'il n'y en a pas dedans. Donc, je vais me faire un haut de paupière lumineux. C'est assez joli. C'est pas trop intense. J'ai pas l'impression que ce soit c'est pas du tout une palette qui va donner dans l'intensité, hein, on est bien d'accord. Mais l'association des fards peut être sympa quand même. Donc, voilà, je l'essayerai à la fin en highlighter basique, hein, clairement, pour faire les finitions, on verra ce que ça donne. Mais sur la paupière, c'est pas trop mal, parce que vous voyez, ça donne juste un petit peu de lumière, mais c'est pas non plus dingo. Je vais venir faire mon creux de paupière avec le taupe, oui, le taupe qui est ici.
Donc voilà ce qu'il donne, le taupe. Il a un côté un petit peu grisé, clairement. Je viendrai travailler mes coins externes un petit peu plus tard, parce que je ne sais pas du tout vers quoi je vais partir. J'ai envie d'essayer de venir faire un creux plus fin avec le marron du milieu, qui est un shimmer aussi. On va voir ce qu'il donne. Eh bien, ça marche bien. Les fards se mélangent plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mélange des fards. Bon, c'est loin d'être fini, hein. Clairement, là, je suis sur un travail de fard tout irisé. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, je trouve, mais il se mélange super bien. Ça donne vraiment des teintes assez sympas. Je vais venir tenter d'intégrer le petit fard noir vraiment en toute extrémité du coin pour venir assombrir un petit peu tout ça. Les fards sont bien pigmentés, je trouve. Et forcément, avec le mélange des autres, ça nous donne une teinte un petit peu grisée. Donc voilà, je suis venue assombrir les coins externes. Je suis désolée si vous avez des changements de lumière. C'est une des journées où il y a la fameuse tempête, je ne sais plus comment. Et on a soleil, averse. Enfin, c'est une catastrophe. Jour nuit, jour nuit. Bref, je vais venir appliquer ce somptueux gris. C'est celui que j'avais très très envie d'utiliser. Sur les trois quarts de la paupière, je ne fais pas de queue de crise. Et j'essaye au pinceau. Ok, il est magnifique. Il est superbe. Donc ça change vraiment des teintes que j'utilise d'habitude, hein. Ah, je suis ravie, ravie, ravie. Regardez-moi ça au premier coup de pinceau, hein. Donc c'est vraiment très très joli. On est dans un make-up tout irisé. J'aime bien de temps en temps faire ce genre de choses. Donc je vais venir finir de travailler tout ça, puis on va se retrouver aussi pour le ras de cils. Je vais bien fondre tous les fards ensemble, et puis je vous retrouve juste au moment du ras de cils. Alors au niveau du ras de cils, je vais clairement commencer par le noir pour faire un maquillage un petit peu, voilà, un petit peu dark irisé, on va dire. Et je pense que je vais lui apporter des petites touches de gris par-ci par-là. Donc le noir est vraiment pigmenté, on y va cool. Donc voilà, je suis venue l'appliquer un petit peu en fumée et j'ai très envie de tester ce système de comment ils appellent ça, du Shadow to Liner Gel. Je ne sais pas du tout comment il faut utiliser. J'aurais pu regarder un truc avant, mais non, je pars à l'aventure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer par-dessus ce que j'ai fait. Et je pense qu'après, il faut rajouter du fard. Je vais rajouter le fard noir dessus. Alors effectivement, ça vient un petit peu plus définir le trait. Je vais venir le fumer, hein, clairement aussi après. J'aurais peut-être dû faire ça en premier. Je vais venir le faire aussi dessus. Voir si je me contente de ça ou si je mets un trait de liner. C'est pas mal. Alors effectivement, cette espèce de petit truc pour faire le liner, là, c'est pas mal parce que ça vient mettre plus de précision au trait, en fait. Donc tout en gardant un esprit fumé, on voit bien la définition du trait, où est-ce qu'il est passé. Donc je trouve le principe plutôt sympa. Bah écoutez, cette petite palette, franchement, je suis ravie. Je vais venir replacer un petit peu de gris en coin interne, puis je vais redescendre sur le ras de cils. On va faire ça maintenant, ensemble. Alors, on va y aller doucement parce que ce gris étant juste incroyable.
Il est assez surprenant. Donc je vais également essayer, comme je vous disais, de dessiner en premier. Je pense que je ferai un coup de liner quand même feutre. Mais je vais quand même retracer un petit trait pour faire avec le fard poudre noir. Alors j'aime assez le principe hein, de cette espèce de petit top coat là. Surtout quand on fait ce style de make-up, ça permet de venir, voilà, faire, même si on fait un trait de liner après, mais de venir quand même intensifier au niveau du noir. Et ça adhère bien. Donc voilà, je suis venue intensifier avec ce petit trait de noir. Je pense que je vais venir ajouter un petit trait de liner. En termes de finition, comme je vous l'ai dit, je vais venir finir de travailler le haut de la paupière pour bien fondre les fards avec l'highlighter que j'ai pris au début. On va faire ça maintenant. Donc je vais venir d'abord l'appliquer avec un pinceau plat pour définir le dessous de mon sourcil. Alors on se retrouve quasi à la fin du make-up. Voilà, je suis venue finir de tout travailler, placer du crayon noir en muqueuse, un petit trait de liner. J'aime beaucoup. Je suis ravie vraiment de cette palette au niveau de la qualité. C'est vraiment sympa. Après, effectivement, on peut partir sur des choses complètement différentes. Bon, alors le problème de ces petites aussi choses de primer et compagnie, c'est qu'on se pourrit la palette en un rien de temps. Vous voyez, hein, le coup du fard noir, voilà, c'est un petit peu moins joli qu'au départ, mais bon. C'est pas très grave. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas aussi si on part sur des marronnés. Là, je suis vraiment partie sur des gris, mais si vous regardez bien, on peut faire un truc avec du doré aussi sans utiliser l'argenté. Moi, j'étais vraiment partie sur l'argenté aujourd'hui que je voulais tester. J'en suis ravie. Je suis comblée de cette palette. Elle est vraiment très sympa. On va finir le make-up en restant chez Dior de manière générale. J'ai le mascara Dior Show que j'avais eu en miniature, que j'aime beaucoup, que je vais venir appliquer. Et ensuite, on passera aux lèvres. Donc voilà, au niveau des yeux, c'est terminé. Je vous laisse regarder avec un petit peu plus de recul. Bien sûr, je ferai quelques photos. Donc là, j'étais obligée de baisser au niveau de l'extérieur. C'est limite, il y a des éclairs, donc c'est l'enfer. Du coup, vous me retrouvez dans le noir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous montrerai d'autres vues. On va terminer par les lèvres et je ne sais pas trop ce que je vais mettre. J'ai voulu rester chez Dior. Et donc j'ai deux rouges à lèvres Dior, mais qui datent d'il y a un petit moment, qui sont toujours commercialisés, il me semble. Donc j'ai celui-ci, les packagings sont juste magnifiques, qui est, alors je ne sais même pas si c'est écrit quelque part, ce sont tous les deux des espèces de rouges à lèvres gloss, donc un avec pinceau comme ceci, ils sont magnifiques. Je vais faire des swatchs comme ça va m'aider à décider. On est sur du nude, hein, des teintes assez... Donc là, on est vraiment sur un gloss brillant rose, un rose très délicat. Et là, on est sur un plus bâton, mais qui est gloss aussi. Et voilà en termes de résultats ce que ça donne. Donc je ne sais pas trop. Je crois que celui-ci, c'est un peu dans la gamme des plumps. Je vais me faire un petit contour des lèvres déjà pour commencer. Et puis, je pense que je vais retenter d'utiliser le un petit peu plumpy. Ça fait longtemps, j'avais envie. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais utiliser le plutôt bâton. Parce que c'est vrai qu'en regardant bien, celui-là a un petit sous-ton un peu marronné. Je pense que je vais rester dans le rose pour bien aller avec le gris. Je l'ai bien bien utilisé, celui-là je l'avais beaucoup aimé, mais j'en ai jamais racheté parce que je sais pas. Pourtant ils sont bien.
Donc voilà au niveau de l'application du rouge à lèvres, j'aime beaucoup, voilà, quand je charge quand même un petit peu bien au niveau des yeux, c'est bien d'avoir un truc, j'adore la couleur est vraiment jolie, hormis le côté très brillant, la couleur est très sympa. Donc voilà, voilà, on va changer d'endroit pour aller regarder un petit peu tout ça, mais pour faire la conclusion maintenant, je suis vraiment ravie de, je sais pas, elle m'a tiré cette palette de par son côté vraiment, on est vraiment dans des extrémités de teintes tout en restant dans des teintes nudes, mais vous voyez que déjà, on peut partir sur deux ensembles très très différents, comme je vous le disais, hein, quelque chose de très. J'ai jamais essayé de mélanger les teintes grises entre guillemets, donc c'est-à-dire l'argenté et le doré. Je suis pas très fan de ce type de mélange, mais pourquoi pas essayer avec ce genre de palette et surtout partir d'un côté ou de l'autre. Donc bien sûr, si je fais un maquillage avec les teintes plus dorées, je vous montrerai ça certainement sur Instagram. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. Ravi, ravi, ravi d'avoir pu avoir cette palette. Ça faisait longtemps que je l'orlignais dessus. Donc je suis complètement ravie. Je vous montre une dernière fois par ici ce que ça donne. Je ne suis pas convaincue que le résultat soit top avec le surplus d'éclairage que j'ai. Donc on va aller voir ça ailleurs, comme je vous l'ai dit. Je vous fais ici plein de gros bisous. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai eu un petit peu de monde là dernièrement et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, la chaîne s'agrandit et ça me touche énormément. Donc voilà, que ça continue comme ça, c'est parfait. C'est voilà, j'ai pas de grandes ambitions, mais le fait d'avoir de plus en plus avec les gens des échanges, voilà, c'est ce que j'aime. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse avec les images du make-up.